L'Agence locale de l'énergie et du climat de Pleine Commune a plusieurs missions auprès des bailleurs sociaux, des pavillons du territoire de Pleine Commune et des copropriétaires. Il y a 9 villes, il y a 4000 copropriétaires à peu près. Une grande majorité est dans un état technique dégradé. Donc il y a des opérations publiques en nombre assez important, des plans de sauvegarde en ce nombre assez important et une grande difficulté à sortir des projets. On est en espace info-énergie, mais on va plus loin que l'espace info-énergie. On va sur site, on rencontre les conseils syndicaux, on les accompagne sur un temps très long de la rédaction du cahier des charges jusqu'à la relation avec les entreprises, jusqu'à la préparation des réunions avec les propriétaires pour expliquer les audits thermiques, expliquer les travaux des entreprises, le rôle d'un architecte, des choses comme ça. Et on essaye de faire voter en Assemblée Générale les plans de travaux de rénovation thermique les plus ambitieux possibles. L'idée, c'est de mutualiser l'ensemble des compétences autour des copropriétés sur des mêmes endroits ou sur des mêmes projets. Donc, normalement, dans les dispositifs, on ne travaille pas dans les opérations programmées publiques. Et bien là, on y travaille. On a intégré les OPA, on a intégré les NPRU, et on essaye de travailler avec les équipes pour apporter un surcroît d'énergie, travailler à l'accompagnement des copropriétés, de monter des projets, même avec les copropriétés en difficulté, pour avoir des rénovations thermiques. La LEC de Pleine Commune a plusieurs missions sur lesquelles elle a besoin de l'AREN. Donc on travaille sur les copropriétés, donc on est bien content d'avoir une mise en réseau des acteurs. On travaille aussi sur la précarité énergétique et là on utilise le réseau des acteurs de l'AREN d'Île-de-France sur la question de la précarité énergétique, la question de la cartographie. On utilise aussi le service Rose pour les données énergétiques. Donc voilà, moi je suis un habitué de l'AREN et je l'utilise assez régulièrement. Voilà. Et dans l'autre sens, on essaye d'apporter au pot commun aussi de l'intelligence collective en Île-de-France.